Wow. Avec de la chaleur, on peut produire un son. Avec de la chaleur, on peut produire un son. Les premiers à avoir découvert ce phénomène sont des souffleurs de verre phéniciens au premier siècle avant Jésus-Christ. Ils faisaient chanter leurs cannes. Et à l'époque, ils attribuaient ça à une manifestation divine. Au 19e siècle, on a enfin compris que c'est la forte différence de température entre le verre en fusion d'un côté et la température ambiante de l'autre qui auto-générait ces ondes acoustiques. Et puis dans les années 90, des chercheurs en cryogénie, ceux qui cherchent autour du zéro absolu, de par le monde, en France, aux États-Unis, au Canada, en Hollande et même au Japon, ont été à nouveau confrontés à cette autogénération d'ondes acoustiques si puissante qu'elles cassaient leurs machines. Sidération. C'est l'effet que ça a exercé sur eux, et certains sont partis à la quête du Graal pour développer une nouvelle science qu'ils ont baptisée la thermoacoustique, thermique, chaleur, acoustique, son. Une science qui est restée très confidentielle car elle est extrêmement complexe, d'ailleurs pas enseignée dans les universités, puisqu'elle a croisé des chemins entre la thermique, l'acoustique et la mécanique des fluides. Et un de ces chercheurs à qui je rends hommage était mon père. Alors imaginez maintenant qu'on puisse, avec de la chaleur, amplifier un son et en faire un son si puissant qu'il puisse aller à 200 décibels, soit le, le son le plus puissant sur Terre, plus puissant qu'une fusée au décollage. Et imaginez que ce son puisse faire un travail mécanique, efficace et écologique. Eh bien, c'est la révolution dont je viens de vous parler ce soir, la révolution de l'énergie du son. Alors, d'un point de vue scientifique, comment ça marche Revenons à notre tube. Imaginez un petit volume de gaz. Chauffé, il se dilate. Son volume augmente. Et il se déplace en comprimant les autres volumes de gaz à côté contre une partie plus froide de la paroi à qui il cède automatiquement sa chaleur, parce que c'est bien connu, la chaleur va toujours vers le froid. À ce moment-là, il se contracte, il revient à sa position initiale, et ainsi de suite. On assiste à un mouvement d'oscillation qui crée un son, car des ondes acoustiques se mettent automatiquement en résonance dans le tube, exactement comme dans un tuyau d'orgue. Et là, nos chercheurs ont compris qu'en pompant de la chaleur, les ondes acoustiques faisaient un mouvement, un travail de compression détente, exactement comme dans un moteur avec un piston ou dans un compresseur qui nous sert à faire du froid. Et c'est ainsi qu'est né un instrument de musique d'un nouveau type qui porte un nom, c'est une pompe à chaleur acoustique. Une pompe à chaleur écologique qui n'utilise pas de gaz à effet de serre, pas d'électricité, et qui va donc nous permettre de faire du froid et du chaud. Alors la première application va être d'augmenter l'efficacité énergétique de tous nos systèmes. Votre voiture, par exemple, son moteur diesel n'a une efficacité que de 25%. Et le reste, c'est de la chaleur perdue, qu'on appelle d'ailleurs de la chaleur fatale. On ne sait pas quoi en foutre, alors on dit c'est fatal. Euh, eh bien, cette pompe à chaleur acoustique va pouvoir utiliser cette chaleur, une partie de cette chaleur, pour générer des ondes acoustiques et faire du froid de façon gratuite. Et donc, par exemple, à bord d'un bateau, on peut récupérer la chaleur des moteurs de propulsion et produire du froid de façon gratuite, avec une efficacité deux fois supérieure à celle de votre moteur diesel, qui existe depuis 50 ans, 100 ans même, et avec une, production, une émission de CO2 réduite de 95%. Et puis, on peut également faire une pompe à chaleur haute température pour chez vous chauffer vos radiateurs ou votre eau chaude sanitaire l'été, l'hiver et l'été faire de la clim. Avec une efficacité équivalente à celle des pompes à chaleur que vous connaissez, mais sans gaz à effet de serre, et quatre fois supérieure à votre chaudière gaz en réduisant les émissions de CO2 de 80%. Une révolution. Et c'est aussi une révolution écologique. Car au-delà de ne pas avoir de gaz à effet de serre et de réduire de façon drastique les CO2, cette machine est passive. Il n'y a aucune pièce mobile à l'intérieur car ce sont les ondes acoustiques qui font le travail de compression d'étente. Donc elle peut durer 50 ans. C'est une solution à l'obsolescence programmée. Et bien évidemment, je vous rassure, cette machine... Et silencieuse. Le son doit rester confiné à l'intérieur et on n'a pas prévu de le laisser sortir. Alors, à ce moment-là, l'histoire, j'ai envie de vous raconter ce qui m'a poussé à vouloir me lancer dans cette aventure un peu dingue de lancer une nouvelle énergie. J'ai toujours voulu donner un sens à mon action et. Dans une vie précédente, j'étais designer. Et mon métier consistait à inventer, à concevoir des nouveaux produits pour répondre à des besoins de consommateurs. Euh, et la différence entre l'utile et le futile ne tenait souvent qu'à un fil. Et en 2008, en éco-innovant pour des clients, j'ai été confronté... Pour la première fois aux travaux du club de Rome, ce qui, dès 70, confirmé en 2012, prévoyait un effondrement de notre système en 2030, c'est-à-dire demain matin. Et fort de ce constat, j'ai décidé de mettre toute mon énergie au service de produits durables, sobres et résilients. Et c'est avec cette volonté et la conviction du fantastique potentiel de cette énergie du son que je me suis lancé sur le chemin ô combien escarpé de l'innovation technologique dans l'énergie, en montant une start-up à Nantes pour reprendre les travaux de mon père. Alors, pour que cette magnifique découverte, cette invention devenue réalité, devienne une innovation, c'est-à-dire un produit qui change véritablement la donne dans votre quotidien, il faut répondre à un certain nombre de critères. Alors le premier, il faut que ça marche Bon, bonne nouvelle, ça marche. On fait du froid en récupérant de la chaleur fatale et on va d'ailleurs installer à Nantes en fin d'année une application pour produire du froid à bord de bateau. Et puis on travaille sur les nouvelles générations de pompes à chaleur acoustique pour bientôt chez vous vous chauffer à l'acoustique dans vos maisons mais aussi dans vos appartements, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. La deuxième condition c'est que ça marche, que ce soit efficace mais que ce soit aussi pour cher. Parce que derrière l'urgence écologique, il y a toujours la réalité économique. La troisième condition, c'est qu'un industriel visionnaire veuille lancer avec nous cette innovation technologique pour avoir un impact économique, car les marchés sont gigantesques, un impact écologique avec une réduction drastique des gaz à effet de serre et du CO2 émis, et également un impact social en créant des emplois ici et maintenant. Et si l'on considère que la liberté opprime et que la loi libère, alors on pourrait se libérer de la menace climatique qui pèse sur nos têtes en changeant les règles du jeu maintenant en favorisant les éco-technologies comme la thermoacoustique au détriment des technologies polluantes, en rendant obligatoire la récupération et la valorisation des chaleurs fatales de tous les moteurs et de toutes les industries, et en intégrant au calcul économique des technologies polluantes les coûts cachés écologiques, ce qu'on appelle les externalités négatives, la pollution, l'impact sur la biodiversité la non-recyclabilité des systèmes. Et ça pourrait prendre la forme d'un malus écologique qui permettrait d'accélérer la transition nécessaire de notre système. Voilà. Vous connaissiez, avant de venir, l'énergie solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne. Il faudra maintenant compter avec l'énergie du son, l'énergie acoustique. Sur le son, le gros son. Qui arrive dès 2021 dans le concert des énergies de demain? Le rêve de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs, d'investisseurs devient réalité. Écoutez le monde changer. L'énergie du son commence à souffler. Elle se met en résonance partout dans le monde pour le bien commun et l'avenir de nos enfants. Merci.